Bonjour, bonjour, nous voilà pour l'épisode 2 de ma map géante sur Minecraft. Oh, à peine arrivée, elle détruit déjà. Comme à chaque fois en même temps. Bon, alors là je vous avais montré la dernière fois mes deux premières maisons avec le totem Bob l'éponge. Et là, je vais vous montrer maintenant la maison numéro 2 que j'ai fait. Hop! Bon, il y a eu de l'amélioration après autour, la création et tout ça. Mais ensuite, ma deuxième création sur Minecraft en mode créatif, bien évidemment, c'est cette maison en argent, en diamant et en or. On a tout de suite fait sur le toit un totem pour la retrouver de loin. Parce qu'au début, il n'y avait rien. Oh la vache, ça va? On les gêne hein, pendant leur réunion à première vue là. Il y a énormément de PNJ dans sur ma map alors. Hop, mange du gâteau. On mange un autre gâteau. Voilà. Donc c'est ma maison en or et en diamant qui a été faite en numéro 3. Et derrière cette maison-là. Ne regardez pas ce qui en vient de traverser. Il y a un village de PNJ. Voilà. Donc ça, c'est pas de ma création, mais c'est en faisant la maison en diamant que j'ai trouvé le village de PNJ. Hop, pas mal, hein? Hop. Donc je me suis fait des totems, hein. Tous les grands machins qui brillent, c'est moi qui ai fait des totems. Et puis ensuite, je suis arrivé à un truc malade. Je suis arrivée là, sur une île, au bord de la mer. Et là, je me suis dit, si je faisais un chemin en bois pour le traverser, pour traverser la mer. Donc j'ai tout de suite mis un golem pour pas me faire attaquer. Et puis, au début, j'ai fait sur 5, et puis après, j'ai fait sur 3. Je faisais même des stations d'arrêt. Ah, on va se faire chier un petit peu, hein, parce que imaginez moi qui l'ai créé. Donc là, je me suis un peu amusée avec la lave, parce que c'est vrai que ça m'amuse pas mal la lave. On va finalement, je vais pas vous montrer tout de suite le bout de mon chemin en bois, en caillebotis. J'ai tourné et je suis allée directement sur l'île qui était là. Et il y avait des bonhommes de neige. C'est là que j'ai découvert les bonhommes de neige. Je trouve ça vachement marrant. Parce que hop, ils nous regardent. Bon, après, en mode survie, c'est pas le bon truc, hein. On peut en avoir, mais ils foutent de la neige partout. Et s'ils croisent un creeper, ils leur balancent des boules de neige et le creeper, il explose. Donc petit 1, il tue le bonhomme de neige. Et petit 2, il flingue votre baraque, quoi, si c'est juste à côté de la maison. Bon, il y a des trous partout là-dedans, mais pas grand-chose d'intéressant. C'est même pas visité jusqu'au bout. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'ai pas dû faire grand-chose. C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose sur cette île-là. J'ai rien trouvé de spécialement intéressant. Donc voilà, j'ai même pas fait une maison sur cette île parce que j'ai rien trouvé de bien, il y a pas mal de chiens. Mais bon, les chiens, ça va bien 5 minutes, c'est pas forcément très intéressant non plus. Parce qu'ils vous suivent partout, vous faites un machin avec de la lave, ils jettent dedans. J'avais plein de chiens et tous mes chiens, ils ont fini comme ça, soit perdus, soit morts dans la lave. Donc quand on part en inspection d'une faille, par exemple, ils viennent avec vous. Vous êtes rassurés, vous n'êtes pas tout seul. Et puis, en fait, ils vous poussent dans le trou. Bon, là, en créative, on s'en fout un peu quand même, puisqu'on ne veut pas mourir. Alors après, j'ai changé. J'ai fait tout en pierre qui brille. Mais après, j'ai fait plus qu'un de large, parce qu'au début, 5, c'était infernal. Donc, un, ma foi, ça allait mieux. On va descendre un petit peu. Oui, sauf que c'est ce bouton-là, voilà. Puis je me suis arrêtée un petit peu une fois de temps en temps pour essayer de faire une construction en dur parce que c'est long à faire un chemin.
Et là, j'avoue qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je trouverai jamais la fin, quoi. Et Minecraft, il n'y a pas de fin d'une manière ou d'une autre, mais je me suis dit, un jour, je vais peut-être bien quand même trouver une île. Donc, on s'amuse comme on peut. J'ai fait ça en plusieurs fois, hein. J'ai pas fait ça d'un coup parce que c'était trop long. Et j'ai croisé des petites îles à un moment, mais j'ai dit, bon, avec ça, on va pas faire grand-chose quand même. Alors, sur la petite île, je me suis arrêtée et je me suis fait une maison. C'est donc ma maison numéro 4, celle-ci. Et alors, rien que pour vous faire plaisir, parce que c'est vous. Non mais c'est pas grave, vas-y, jette-toi dans le vide. Voilà, un seul, c'est suffisant. Donc moi, vous apprendrez qu'à chaque fois que je mets une maison quelque part en dessous, il y a ce genre de choses. Et même dans mon mode survie, en dessous, il y a ce genre de choses. Hop. Un petit peu d'élan. Voilà. Donc là, j'ai une mine abandonnée. Et eh ben, je serai en mode créative. Je serai morte de peur déjà. Et on va se mettre un peu de lumière quand même. On entend des bêtes, hein. Hop, donc on va se casser si ça vous gêne pas. Parce que moi j'ai le son dans les oreilles là, et bon, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Ah, arrête de faire du bruit, méchant monstre. Hop, et voilà. Et là on remet du verre. Pour bloquer et se rappeler. Hop. Voilà. Il y a plein de cochons partout. Donc voilà, ma maison numéro 4 est pas mal, hein? Ça brille, on voit de loin. Il y a des petits cochons partout. Voilà. Tiens, il y a un chien. Et puis cette île-là, elle communique avec une autre île. Attendez, on va y aller en volant. Merde, en volant, pas en nageant. J'ai fait communiquer avec une autre île aussi. Qui est là. Parce que là, je pensais trouver plein de choses. Mais en fait, voilà. Dire en mode créatif, on s'en fout de trouver des choses ou pas, mais j'aime bien quand même inspecter. Hop. Avant qu'il fasse nuit, j'aimerais bien qu'on arrive à la prochaine île où il y aura ma prochaine maison. Mais là, ça va faire un petit peu long la vidéo. Donc dès que je trouve une île, je creuse en dessous. Vous voyez? Hop, celle-là, elle est creusée. Hop. Ça fait super beau. Ça brille, ça fait la mer, elle est belle. On voit bien en dessous, surtout quand il fait nuit, comme ça, c'est vraiment beau. Bon, alors, le soleil se couche. Et nous allons. Alors là, voilà. Nous allons trouver ma maison numéro 5. Sur une île. Et puis en diamant. Parce que toi, t'es moche. Ah. Hop là. Oh là là, j'aime pas les bruits, moi c'est une horreur. Ah, le golem, mais il va me confondre. Hein. J'ai tué un golem une fois parce qu'il m'avait confondu avec un méchant. Ah, je peux pas me coucher. Bon, mais c'est tout si je peux pas me coucher. Ah, bah je vais arrêter parce que le bruit il est immonde et moi j'ai peur. Bon, je peux me coucher? Ouais. Même si je peux pas, je dors quand même, c'est génial. Bon, allez, sur ce, c'est fini. Je vous montrerai le reste après. À plus!